Excellencies. Excellences. Chers orateurs, mesdames et messieurs, bon après-midi. Bonsoir. Je m'appelle Doreen Martin-Martin et je suis la directrice du Bureau international des télécommunications à l'UIT. J'aimerais vous accueillir tous ici cet après-midi à cette session principale de l'IGF. Nous allons regarder les ODD à l'ère numérique. La moitié de la planète est en ligne et maintenant connectée. Et c'est une très bonne nouvelle. Tout du moins pour ceux qui peuvent vraiment être connectés. Mais qu'en est-il des autres? Les 3,6 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à Internet, qui sont coupées d'un monde qui, pour nous qui sommes ici, est tout à fait normal. Je pense que l'on ne peut pas s'imaginer vivre sans Internet. La moitié des êtres humains ont besoin de vivre ainsi. L'Internet est un environnement très riche. Nous l'utilisons pour beaucoup de choses. Par exemple, pour voir la météo. Ou alors, pour acheter, faire des jeux. Ou alors, encore, pour prendre un vol et s'enregistrer. Mais nous sommes privilégiés et nous devons nous rappeler que Internet peut vraiment être une force de transformation, un instrument pour tous ceux qui n'ont pas accès à des emplois, à des journaux ou à des enseignants, pour aider les personnes qui travaillent, pour les agriculteurs, pour ceux qui cherchent un emploi, qui cherchent un marché pour leurs produits et qui cherchent à avoir un accès à des services financiers. Internet a changé notre monde. Mais cette transformation, ce potentiel de transformation, change le monde pour des millions de personnes qui n'ont encore eu que trop peu d'accès au pouvoir de l'information. Mesdames et messieurs, la communauté internationale a une nécessité morale de s'assurer que chacun a un accès aux mêmes opportunités. Il s'agit de ne laisser personne pour compte. Il faut donc un accès égal aux TIC. Le secrétaire général de l'ONU a souligné l'importance de la technologie et des objectifs du développement durable lors de son groupe de travail de haut niveau sur la coopération numérique. Ce mot, la coopération, est un mot-clé. Lorsque nous avons connecté les 50% du monde, il y avait une grande concurrence. Mais pour connecter l'autre moitié de ce monde, il faut plus de coopération, de collaboration. Il faut aussi réfléchir à de nouvelles façons afin que nous puissions avoir une connectivité pertinente pour les personnes qui ne sont pas connectées. Certains sujets qui nous intéressent peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui les intéressent. Mesdames et messieurs, cet après-midi, nous avons beaucoup d'orateurs très talentueux et engagés. Nous allons façonner ces deux prochaines heures en se concentrant sur trois domaines clés, c'est-à-dire la planète, la population et la prospérité. Comment nous pouvons réaliser les ODD dans ces trois domaines. Et je vais inviter deux de nos experts à faire des remarques. Ensuite, je vais inviter les autres orateurs à prendre la parole. Puis, je vais proposer au public de prendre la parole, le public qui est ici, ainsi que le public en ligne. Mais avant que nous entendions ce que nos orateurs ont à nous dire, j'aimerais inviter un orateur distingué, le sous-secrétaire général Zhenmin Liu, le sous-secrétaire général pour les affaires sociales et économiques, ou UNDESA, pour faire quelques remarques et lancer cette discussion. Monsieur le sous-secrétaire, vous avez la parole.
Merci, Tori, pour présenter cette conférence et merci de m'avoir invité. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de partager quelques réflexions sur la réalisation des ODD à une ère numérique. Il y a 4 ans, nous avons eu l'engagement pour l'agenda 2030. C'était une marque pour le développement durable avec tous les gouvernements. Lors du sommet des ODD, qui a eu lieu en septembre, cela nous donnera l'opportunité de revoir ce que les êtres humains ont à faire face, quels sont les défis à surmonter. Beaucoup de pays ont été très proactifs et ont mis en œuvre et implémenté les ODD. Nous voyons là une baisse de la pauvreté, l'amélioration de la santé. Cependant, il nous faut une réponse mondiale. Cette réponse ne suffit pas encore pour transformer la croissance économique qui n'est pas suffisante, ainsi que les inégalités, le changement climatique, sont un frein pour le développement durable. Parallèlement, les technologies et Internet transforment le partage d'informations, révolutionnent les industries, protègent et sauvent des vies et favorisent le développement. Les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, ainsi que l'Internet des objets, peuvent nous aider à atteindre nos objectifs et à améliorer la vie de tous. Nous devons continuer. Nous devons réfléchir comment nous pouvons apporter des contributions pertinentes aux ODD. L'IGF est une plateforme particulièrement importante, mais il y a beaucoup d'autres plateformes. Par exemple, des forums sur les ODD ainsi que sur les STI et le forum de l'UIT. Je crois que chaque forum a un rôle unique à jouer et qu'ils se complémentent. Je crois aussi que vous avez déjà souvent entendu dans tous ces forums que l'Internet, l'éthique sont nécessaires pour les ODD. Cela est vrai. Mais cela s'accompagne de beaucoup de défis et cela crée de nouveaux défis. Parmi les problèmes les plus urgents et les défis qui font face à l'écosystème d'Internet, il y a le développement des capacités, la cybersécurité, les utilisateurs de l'Internet et leurs possibilités, ainsi que la protection des droits de l'homme. Il y a aussi d'innombrables risques. Et nous ne commençons seulement qu'à estimer ces risques. L'avenir du travail, la sécurité mondiale, la confiance de la population et leur bien-être dans la société numérique. Mais comment surmonter les défis et les risques? Comment s'assurer qu'aucun pays, que personne n'est laissé pour compte? Tout le pouvoir d'Internet et d'éthique ne peut être utilisé dans le bon sens que si la population a confiance, il y a la sécurité et la stabilité de l'espace numérique. Il est aussi critique de prioriser les technologies qui sont nécessaires pour l'ODD. Pour suivre la réglementation du secrétaire général du groupe de haut niveau sur la coopération numérique, nous devons renforcer la coopération et nous adresser à tous les potentiels des innovations technologiques. Mesdames et messieurs, l'IGF doit répondre à ce sujet et réunir tout le monde, toutes les parties prenantes, les entreprises, toutes leurs histoires. Il faut trouver des points de convergence, des processus. Et il faut reconnaître les points où nous n'avons pas le même avis. L'IGF doit continuer à renforcer
cela et à être un forum mondial pour tous ces sujets. Ici à Berlin, nous voyons un engagement croissant des entités chargées de la prise de discussion du gouvernement et du secteur privé, ainsi que de la société privée. Ces acteurs viennent au forum pour trouver des solutions face aux défis de l'Internet et des technologies. Nous devons continuer à avoir ce mouvement lors des prochaines réunions de l'IGF, ce momentum. Je comprends qu'il y a près de 100 pays ici, ainsi que des IGF régionales et nationales, ce qu'on appelle les OAS. Tout cela se développe depuis ces dernières années. L'engagement multipartite est critique au niveau local aussi. Si nous devons comprendre la nature des problèmes et les ressources que nous avons, que toutes les communautés ont, la complexité d'Internet ne permet pas d'avoir une approche qui n'est pas unie face à tous les problèmes et toutes les solutions dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous avons la chance d'avoir cette rencontre menée par la communauté, ce processus de l'IGF qui est ouvert, qui est régional, local aussi. Nous avons la chance d'avoir tant de partenaires qui mènent, qui nous guident et partagent leur vision pour un Internet pour tous et ouvert. Nous devons optimiser ce partenariat et la capacité et les développements, les opportunités que nous avons. Mesdames et messieurs, pour finir, j'aimerais vous rappeler que l'objectif du développement durable est une tâche mondiale pour tous. Et tout l'IGF l'est aussi. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, par exemple l'augmentation des inégalités, le changement climatique, la croissance inégale et le développement rapide des technologies nécessitent une réponse multilatérale forte. Souvent, vous avez entendu, les technologies, les TIC, sont nécessaires pour atteindre les ODD. Mais il y a aussi beaucoup de défis. Nous devons continuer à nous réunir, à discuter de tout, à trouver des consensus. Je pense que nous pouvons continuer à avoir des progrès dans ces technologies pour le bien de l'humanité et ensemble faire que les ODD deviennent une réalité. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez une discussion tout à fait fructueuse. Je vous remercie. Thank you. Merci, merci beaucoup, Monsieur le sous-secrétaire général. Merci d'avoir partagé votre vision. Merci de donner un cadre ici à cette discussion cet après-midi. J'apprécie le fait que vous ayez identifié certaines opportunités, certains défis, ainsi que les risques qui existent. Et comme vous l'avez dit avec raison, le développement durable est une tâche pour tous, pour nous tous. J'aimerais utiliser cette opportunité pour vous inviter, pour vous remercier, vous et votre équipe, pour nous avoir réunis, pour mener cette IGF et s'assurer qu'il y ait une approche multipartite avec tous les groupes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons continuer maintenant avec ce panel de discussion. Comme je l'ai déjà dit, nous allons structurer cette discussion en trois segments. Comme vous le savez, l'agenda 2030 est un plan, un programme d'action pour la population, pour la planète et pour la prospérité. Nous allons donc commencer notre discussion. Nous allons regarder la population. Comme vous le savez, les ODD soulignent que la détermination du monde de mettre fin à la pauvreté, à la famine, doit être réalisée et de s'assurer que chaque être humain peut vivre dans une vie digne, égale et dans un environnement sain. Les technologies numériques, si elles sont bien utilisées, peuvent jouer un rôle très important pour s'assurer d'avoir une société juste et équitable, comme le sous-secrétaire l'a dit si bien. Donc pour commencer, nous allons parler de l'ODD
1. Sur la pauvreté. 2. Sur la famine. 3. La santé. 4. L'éducation. 5. L'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis sûre que vous connaissez tous les ODD par cœur. Nous avons long parlé de la communauté. Nous allons parler de l'ODD 16 sur la justice et la paix, ainsi que sur des institutions fortes. Tout d'abord, Alessandria Walden va prendre la parole. Elle dirige la politique mondiale pour les droits de l'homme et le libre-échange et la liberté d'expression de Google. Pouvez-vous présenter certains défis auxquels vous faites face dans le contexte des transformations numériques pour les pays en développement et pour les pays et les populations vulnérables? Pouvez-vous partager certaines réflexions pour surmonter ces défis? Vous avez la parole. Merci. Merci d'avoir invité Google à participer à cette conversation aujourd'hui. Pour notre entreprise, du haut vers le bas, dans toute l'entreprise, nous réfléchissons bien sûr comment nous pouvons agir, comment pouvons-nous développer des produits qui sont pertinents pour tout le monde en ligne. Lorsque je réfléchis aux ODD, je pense tout de suite au rôle des ODD pour accomplir les droits de l'homme dans toute la planète. Cela signifie donc que la vie privée, la liberté d'expression, l'absence de discrimination, ainsi que dans d'autres domaines, par exemple, les façons dont cela peut nous aider à avoir plus de droits en matière de santé, de pauvreté et tant d'autres domaines dont on va parler. Mais quand je pense aux droits de l'homme, je pense à la façon dont le secteur privé, plus particulièrement, a une responsabilité de continuer à faire progresser les droits de l'homme et de protéger ce cadre de protection et de respect. Et cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Comme beaucoup d'autres personnes l'ont mentionné, les technologies numériques et Internet ont permis l'humanité de faire des grands progrès, de grandes transformations, et nous en avons déjà parlé. Mais il est très important de comprendre comment nous pouvons apprendre, comment pouvons-nous nous assurer que nous apprenons, que nous tirons des leçons du passé. Et lorsque nous cherchons à nous engager avec toutes les personnes en ligne. Une des choses sur lesquelles je veux me concentrer pour faire face à ces défis, la vie privée, donc la liberté d'expression et ainsi de suite, il faut s'assurer que les entreprises dans le secteur privé ont des responsabilités et qu'elles respectent les principes de l'ONU et les droits de l'homme. Ce cadre donc central doit montrer la voie sur la façon dont nous pensons aux ODD dans notre propre entreprise, avec les individus, sur Internet, dans toutes les communautés, avec tous les produits. Ces principes, donc, sont la façon dont nous pouvons réaliser cela. Les principes dirigeants de l'ONU doivent nous montrer comment nous devons réagir dans le monde, comment nous pouvons mitiger les problèmes possibles. Je voulais juste souligner ce point. Nous regardons les cadres qui existent et nous regardons les défis à l'avenir. Nous ne devons pas nous concentrer sur tout le début, mais nous devons regarder le cadre que nous avons déjà et avoir une approche donc avec multipartite. Nous avons donc, je pense, déjà vu que les gouvernements, les entreprises seules ne peuvent pas tout résoudre. Nous devons nous réunir. Nous devons regarder l'impact, les opportunités, les possibilités et voir tout ce que la technologie peut nous offrir. Je voulais souligner cela. C'est la façon dont nous pouvons réaliser tout le potentiel des technologies. Merci, merci beaucoup. Et nous passons à présent à Son Excellence, à Miguel Martin. J'ai eu l'occasion de me rendre dans votre merveilleux pays il y a quelques semaines et de visiter les
plusieurs écoles, d'ailleurs, à proximité d'Amazon. Et Monsieur le ministre d'Éthique du Paraguay, pourriez-vous nous faire part de votre expérience, car vous venez dans un pays donc sans accès à la mer. Peut-être que vous pourriez nous faire part de votre expérience, mais également de vous présenter les projets que vous avez lancés pour permettre la transformation numérique. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, j'aimerais mentionner que nous sommes très reconnaissants d'avoir été invités en tant que pays et annoncer également que c'est la première fois que nous arrivons avec une grande délégation de 10 personnes et c'est une délégation multipartite avec des représentants du Parlement, du gouvernement, mais également des représentations de la société civile. Lorsque l'on pense à l'Internet pour tous comme étant une nécessité pour un pays, mais également pour le monde, nous sommes confrontés à un défi considérable, à savoir que notre pays n'a pas d'accès à la mer. Donc nous ne pouvons pas avoir accès, par exemple, aux câbles sous-marins directement. Donc nous devons négocier avec le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, nos voisins, pour trouver une solution durable pour nous permettre d'avoir un meilleur accès et d'avoir un accès qui soit abordable pour tous, notamment pour les larges bandes. Et nous tentons de trouver des façons de le faire. Et c'est un défi diplomatique auquel nous travaillons, bien entendu, mais cela peut également être un avantage pour qu'il nous fasse une bonne offre, car il est vraiment très difficile de déployer des câbles de fibre optique pour nous et la location de l'infrastructure est également assez complexe et c'est la raison pour laquelle nous cherchons les meilleurs prestataires possibles. Comme vous l'avez dit, nous avons un projet numérique et c'est une première. Donc d'une part, nous nous penchons sur la situation des infrastructures, mais en tant qu'une personne qui a connu de nombreux objets optiques, lorsque nous avons lancé ce nouveau projet, dont j'ai été l'initiateur d'ailleurs, l'objectif n'était pas uniquement de donner accès à des ordinateurs aux enfants. J'ai travaillé comme bénévole en Afrique, au Rwanda, où nous avions également eu ce projet, et nous pensions à la qualité de l'éducation pour tous et d'offrir donc l'accès à tous. Mais nous avons constaté que de fournir l'infrastructure n'était absolument pas la solution. Et je ne souhaite pas voir Internet de cette façon-là. L'Internet, en tant que tel, est une excellente solution lorsque vous donnez la possibilité à tout le monde d'avoir accès à l'information, à la communication. Et c'est également pour des pays qui tentent de renforcer leur démocratie. L'Internet est à ce moment-là, bien entendu, un élément absolument clé. Merci beaucoup. Je vais me tourner en direction des autres membres du panel pour savoir si éventuellement vous aviez des commentaires à faire concernant les interventions de Miguel et d'Alexandria avant que je puisse apporter. Allez, Billy. Manissa, Melissa éventuellement. Une chose m'a frappée, à savoir, c'est que donner une infrastructure n'est pas une solution ou la panacée à tout. Et les compétences numériques, la culture numérique est également quelque chose de très important parce qu'une fois que les personnes sont connectées, il est important également qu'elles aient les compétences qui leur permettent d'utiliser Internet d'une bonne façon. Car lorsque j'interviens généralement sur Internet, pour moi, ça fait vraiment partie d'un aspect très important, à savoir d'avoir un accès, mais un accès qui soit pertinent et utile. Olomidi, j'aimerais parler de l'accès, de donner l'accès en fait aux personnes les moins privilégiées. En 2017, Google avait un projet au Nigeria. À savoir que sans avoir accès à Internet, sans souscrire à un prestataire d'accès quelconque, vous pouviez avoir accès à
deux, trois pages de Google, par exemple. Si vous cherchiez une information, eh bien, vous avez la possibilité, même sans être inscrit, donc un prestataire de services Internet, eh bien, Google vous donnait la possibilité au Nigeria, pour que c'était dans d'autres pays, je ne sais pas ce qu'il en était, en tout cas dans les autres pays du monde, mais ces personnes avaient la possibilité d'avoir accès à l'outil de recherche pendant 2-3 minutes. C'est-à-dire que ces personnes avaient la capacité, elles avaient toujours la possibilité, bien entendu, d'accès à d'autres domaines. Et je ne parle pas ici uniquement de la population nigérienne, parce que on a également le même problème qu'au Parquet, même si notre pays n'est pas privé d'accès à la mer. Mais le problème que nous avons, c'est que l'Internet, en fait, que les câbles terriens, les câbles à fibre optique ne sont pas forcément accessibles, mais je pense que la technologie peut être améliorée de telle façon que, en fait, il y a la possibilité de donner assez rapidement et simplement accès à Internet aux personnes. Et ce, aux personnes vulnérables. Bon, j'aurais dû vous présenter avant que vous interpreniez. Donc, Melissa Sansi est la présidente du groupe DS, à savoir donc compétences numériques de l'IEP. Olumide Babalola vient du Nigeria et c'est le directeur exécutif de Olumide Babalola, qui se consacre également aux droits de l'homme, et Louise Neves dirige Jesse et était au préalable à Deutsche Telekom où vous étiez en charge des questions de climat et de développement durable. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous également, et mon amie ici, Giza, était avec moi au sein de l'UIT et elle est le directeur exécutif pour l'Organisation mondiale des télécommunications, et au préalable, elle travaillait au sein de l'UIT auprès duquel elle faisait des travaux. Elle l'essayait également et elle était assistante. En fait, non, elle était suppléante également au CMOA, et je suis ravie de vous avoir vous tous parmi nous. Et Louis, si vous souhaitez éventuellement nous faire part de vos réflexions, en ce qui concerne les personnes, en fait, dans notre discussion. Et j'aimerais revenir sur un certain nombre de points. Un rapport récent a été publié de la part de notre organisme qui s'appelle sur le numérique avec un sens, pour ainsi dire. Et ce rapport, en fait, a abordé en fait 7 différentes technologies en rapport avec les ODD. Nous nous sommes rendus en fait, nous sommes penchés sur plus de 2000 sortes ou sources d'informations, et je présente les résultats en fait lors de ma brève intervention. Et ce que je souhaiterais apporter ici, lorsque l'on parle de droits humains, de sécurité, de protection des données personnelles, eh bien, ce que nous avons identifié dans notre rapport, c'est qu'il y a la discussion en fait de la protection des droits humains et de la sécurité des données personnelles. Et ce sont des aspects très importants à prendre en compte lorsque l'on se penche à la question de savoir comment les technologies sont utilisées dans l'intérêt de seulement certains. Et ça, c'est des aspects que nous devons prendre en compte, à savoir que les technologies sont d'excellentes choses et notre rapport le montre. Cela permet de réaliser près de 22% des objectifs ODD d'ici 2020, mais il est important également que nous comprenions également que si nous souhaitons assurer cette confiance dans la technologie, il faut également que les entreprises assument leurs responsabilités. Il faut que les entreprises soient attendues responsables de la façon dont elles fournissent cette technologie. Deuxième aspect que je souhaiterais aborder concernant les ODD, c'est que les technologies fondamentales nécessaires pour la réalisation des ODD, c'est la connectivité. Il faut que nous fournissions cette connectivité aux personnes, sachant que près de la moitié de la population du monde n'a pas accès à cette technologie. La question qui se pose est de savoir comment garantir que nous y parvenions. Il faudrait peut-être que nous revoyions ce que nous avons fait par le passé. Par le passé, nous avions un concept, ce que nous appelions
l'accès pour tous. Donc, fournir un accès universel. Et c'était la responsabilité des gouvernements, des responsables politiques, par le passé. Et c'était donc du ressort du secteur public. Et aujourd'hui, du fait de la concurrence qui règne dans ce nouvel environnement, nous voyons de nombreuses entreprises privées, ce qui est une bonne chose. Mais il faut également voir quels sont les modèles dont nous avons besoin. Et de garantir que ces 3,6 millions de personnes auront accès à la technologie, car la technologie sera fondamentale pour réaliser les ODD et pour fournir la prospérité à l'ensemble du monde. Tout à fait. Merci, Louise. Car dans les années 1980, lorsque Sir Donald Menlewin avait lancé son rapport sur le chaînon manquant, et certains d'entre nous s'en rappellent certainement, il s'agissait de voir de combien de temps est-ce qu'il faudra marcher pour avoir accès à une ligne d'électricité et calculer en nombre d'heures par jour. Et nous ne parlons pas de la connectivité aux lignes de téléphone fixe, mais j'aimerais également savoir comment, que le public nous dit comment y parvenir. Le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il a ouvert le forum de l'IGF l'année dernière, il parlait de connecter le monde d'ici 2030 et que c'était une priorité partagée. Et comme vous l'avez dit, Alexandra, il faut que ce soit une responsabilité partagée, pas uniquement pour le gouvernement, pour les entreprises, mais c'est une responsabilité partagée de nous tous. Est-ce que vous souhaitiez éventuellement faire un petit commentaire avant que nous ouvrions au public? Oui. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Lorsque vous écoutez tous ces problèmes, eh bien, une chose nous frappe, à savoir qu'il s'agit ici de défis mondiaux. Et nous avons besoin de solutions mondiales. Comment y parvenir? Grâce à la collaboration, à la communication et une meilleure coordination. Merci. La parole est ouverte. Si vous souhaitez faire des commentaires ou poser des questions, je vous prie à ce moment-là de vous concentrer sur les commentaires qui ont été faits par les membres du panel ou les aspects qui portent sur les personnes, car c'est le thème que nous avons à présent. Il y a 4 micros disponibles dans la salle et si vous souhaitez faire un commentaire ou poser une question, je vous en prie, présentez-vous en utilisant un des micros disponibles. Premier commentaire ou question. Vous voulez éventuellement vous présenter? Je vous en prie. Meiling Fang, du People-Centered Internet. Et j'aimerais remercier les membres du panel pour leurs commentaires. Et je souhaitais dire que les déclarations qui ont été faites m'ont beaucoup inspiré. Il faut que nous apprenions à collaborer. Et c'est ce que nous entendons d'ailleurs au cours de chaque séance. Il faut que nous apprenions à collaborer. Il faut que nous le fassions. Il faut que nous le faisions effectivement, car nous sommes au début d'un long voyage. Et il faut que nous commencions à nous écouter les uns les autres, comme un orchestre le ferait pour jouer ensemble. Et je n'ai pas l'impression que nous développions les outils pour combler ce fossé considérable, car on parle toujours de ce thème dont personne ne souhaite parler ou n'ose parler, cet éléphant dans la pièce, mais il faudrait le faire. Oui, parce que l'on peut continuer à parler de collaboration, mais effectivement, il serait peut-être temps de le faire et d'agir. Donc, excellent commentaire, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je vois une autre personne. Je vous en prie, présentez-vous. Merci. Je m'appelle Farindo, je suis un chercheur brésilien. Et mon commentaire et ma question est la suivante. Comment mettre en œuvre les droits humains, les ODD et les imposer aux entreprises? Car à présent, il y a un énorme scandale concernant la collecte des données et jusqu'à ce jour, après Cambridge Analytica, eh bien, il n'y a pas vraiment eu de mesures qui ont été prises contre ces entreprises. Et
Ils ont fait des choses qui étaient à l'encontre des droits humains, qui violaient les droits humains. Et lorsque l'on voit qu'une entreprise qui viole les droits humains fondamentaux, il y a des ONG qui se manifestent. Nous avons également des rapports qui montrent qu'il y a des violations des droits humains. Mais bon, sur Internet, lorsque c'est numérique, ce n'est pas tangible. Donc, ma question et mon commentaire tentent à comprendre comment est-ce que l'on peut rendre ces entreprises responsables qui violent les droits humains et qui freinent la réalisation des ODD, notamment en ce qui concerne la paix et la justice et la paix et le progrès. Donc, tel était mon commentaire. Et c'était un petit peu ma contribution à la réflexion. Merci, Fernando. Luis, vous souhaitiez réagir et ensuite Alexandria. En ce qui me concerne, j'aimerais faire quelques remarques, à savoir que vous abordez également le même thème que j'abordais au préalable, à savoir qu'il faut que nous garantissions qu'il y ait cette confiance et cette responsabilité, que les entreprises assument leurs responsabilités et respectent les personnes. Ce que nous avons fait au sein de JESSI, notre initiative mondiale, eh bien, nous avons analysé en détail ces différentes thématiques. Et nous avons fait un rapport intitulé « Enabling Rights » pour permettre la réalisation des droits et de voir comment est-ce que les technologies peuvent aider à résoudre ces problèmes. Récemment à New York, nous avons regroupé un groupe de parties prenantes avec Oxfam, Amnesty International, Human Rights Watch, pour discuter ensemble de ces différents défis. Et nous travaillons à une solution, nous l'espérons, mais c'est une initiative de l'industrie. Il y a d'autres dimensions, bien entendu, qui doivent être réalisées. D'un point de vue politique, les responsables politiques doivent, bien entendu, également se pencher également sur ce thème. Les entreprises doivent le faire. Et les associations professionnelles, en collaboration avec la société civile, doivent travailler à des solutions. Nous avons une plateforme appelée une plateforme innovative pour les droits de l'homme où nous publions des solutions qui peuvent aider les militants des droits de l'homme pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans leurs activités, dans la chaîne d'approvisionnement, les droits humains, etc. Merci Louis et Alexandra. Avant de passer à vous, il y a un commentaire ou une question en ligne. Est-ce que nous pourrions la voir tout d'abord? Peut-être qu'éventuellement vous pourriez rebondir ensuite. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette personne en ligne a dit? Donc, si l'on pouvait transférer l'intervenant. Je vous en prie, vous avez la parole. Si vous pouviez vous présenter, s'il vous plaît, et poser votre question ou votre commentaire. Manifestement, la technologie nous lâche. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous entendre. Y aurait-il éventuellement la possibilité de lire la question ou le commentaire? J'ai prié à la personne de taper la question et ensuite je pourrai vous la lire. Donc, on reviendra à Benjamin dans un instant. Alexandria, vous avez la parole. Je souhaitais présenter un certain nombre d'exemples qui touchent à la façon dont nous pourrions collaborer, mais également plus spécifiquement à la façon dont on pourrait assumer cette responsabilité. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous étiez conscient de cette initiative d'un réseau mondial. C'est une initiative des entreprises, des militants des droits de l'homme également. Donc, c'est un effort multipartite pour aider les entreprises et garantir également qu'elles respectent les droits de l'homme de sorte que, ou dans la façon dont nous faisons nos affaires. Et il y a des leçons importantes qui ont été tirées parce qu'il y a également un mécanisme d'évaluation indépendant. Et ça, c'est un exemple de ce que nous avons fait au sein de l'industrie pour aider les entreprises au cours d'une décennie, eh bien, de tenter d'aborder ces différents problèmes. Et là où il y a des besoins donc d'amélioration de nos politiques, de nos produits, mais également dans nos politiques publiques. Et je souhaitais également répéter également qu'il y avait également les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l'homme. Et il est important que les entreprises créent un environnement pour que les entreprises puissent innover de manière responsable et les entreprises ont également la responsabilité de respecter les droits de l'homme. C'est-à-dire que les entreprises doivent mettre en place des mécanismes comme l'évaluation de l'impact sur les droits humains avec des systèmes d'évaluation préalables également qui doivent être réalisés. Et il faut également que les entreprises réfléchissent à la façon dont elles lancent leurs produits dans le monde. Les gouvernements ont également l'obligation d'avoir des contacts avec les entreprises pour s'assurer qu'elles le font et autrement de mettre en place des mécanismes nécessaires. Et je pense que cela touche également à ces 12 aspects de la responsabilité. Mélissa, à présent. Et tout d'abord, Olumide, votre commentaire revient à ce qui avait été dit hier concernant la protection des droits humains en ligne, à savoir que c'est une responsabilité partagée, car il y a bien entendu la donnée, le thème des données, de la collecte des données, du traitement des données, et nous avons tous bien entendu des responsabilités. Et il y a également, avec le Règlement général sur la protection des données, également la possibilité d'avoir des recours en cas de violation des droits. Et la loi est également une loi sur la protection des données. Donc, il s'agit d'une responsabilité partagée. En tant que juriste, il s'agit d'une responsabilité partagée, en particulier des personnes, à savoir de contacter les personnes qui traitent ces données et de poser des questions à chaque fois qu'il y a l'impression qu'il y a une violation du caractère privé des données ou autre. Donc, il faut que nous assumions nos responsabilités et que nous cessions de parler, parce que comme vous dites, parler, non, il s'agit d'agir. Et c'est certainement encore plus facile de le faire dans les pays développés, pour certaines entreprises, que dans d'autres pays en développement comme les nôtres. Et parfois, eh bien, vous avez la possibilité vraiment en fait, d'aller devant les tribunaux et parfois, vous obtenez également des compensations. Merci. Mon commentaire ne s'adresse pas forcément des mauvais acteurs, mais je pense que c'est une responsabilité que nous avons tous lorsqu'il s'agit d'utiliser la technologie que nous avons à notre disposition. Je vois dans le monde entier de très nombreuses définitions de cette culture numérique et manifestement, il y a de véritables philosophies différentes également de savoir quel est l'enseignement, qu'est-ce qu'il faudrait enseigner lorsqu'il s'agit en fait d'avoir cette maîtrise numérique. Et je pense qu'il est très important d'avoir ici véritablement un ensemble de compétences que les personnes apprennent lorsqu'elles vont en ligne et de comprendre que lorsque vous partagez certaines données, eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ces données et quels sont les risques associés. Merci, Monsieur le ministre adjoint. Je pense donc que si personne ne souhaite prendre la parole, je veux bien le faire. Donc nous, en tant que représentants des gouvernements, on a beaucoup réussi en ce qui concerne la coopération. Et rien que la participation à cette conférence montre que nous souhaitons vraiment adopter une nouvelle perspective pour le faire interférer dans nos décisions au niveau national. Moi, j'ai donc et écouter à des représentants d'autres gouvernements, rien que ce fait est vraiment très utile pour améliorer nos actions. Donc, je voudrais vraiment saisir cette occasion pour remercier les organisateurs de cette conférence importante. Chaque pays a sa propre législation. Et je dirais même, chaque pays a adopté une législation en termes de droits de l'homme. Cela signifie que chaque organisation, chaque entreprise qui est active dans ce pays doit respecter justement cette législation. Les problèmes apparaissent quand les entreprises en question n'ont pas leur siège social dans le pays respectif. Donc, quand on pense à tous les grands groupes internationaux, c'est là que se présentent les défis qu'il faut relever. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Ouganda qui connaît la recherche qui a été menée dans ce domaine? Eh bien, vous savez peut-être que l'Ouganda vient d'adopter une législation sur l'OTT.
Et si jamais il y a quelqu'un qui en connaît les détails, vous êtes le bienvenu de les présenter. De toute façon, les utilisateurs utilisent tout simplement le réseau sans pour autant payer pour l'utilisation de ce réseau. Donc, si les gestionnaires des réseaux ne gagnent rien de la part des utilisateurs, les gouvernements ont un problème en termes de recettes fiscales. Merci beaucoup, Isa, pour cette intervention. Peut-être entre-temps, nous avons à disposition le commentaire de Benjamin. On va réessayer, sinon je peux vous lire le commentaire. Entre-temps, nous avons déjà deux questions d'ailleurs. Je sais que le temps presse, mais tout d'abord, on va réessayer avec Benjamin. Oui, bonjour. Maintenant, ça marche. Très bien. Donc, vous avez la parole. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Benjamin. Et je suis un scientifique au Namibia. Et j'aimerais faire un commentaire concernant l'Internet et les ODD. J'ai l'impression qu'il y a un aspect qui est toujours et systématiquement négligé. Lorsqu'on parle de la gouvernance d'Internet et lorsqu'on parle en général d'Internet, on devrait surtout se poser une question, à savoir comment utiliser Internet, prenons l'exemple de la santé, pour atteindre également ceux qui n'ont pas encore accès à Internet et de les inciter à encourager à utiliser encore plus Internet. Et cela ne s'applique pas uniquement à la santé, mais également à l'éducation, à la formation, parce que Internet est une fin à soi. Et ça, c'est donc l'intervention que je souhaitais faire. Nous devrions, je le pense, ne pas faire une priorité d'Internet, mais plutôt mettre l'accent sur d'autres sujets. Bon, là, apparemment, nous n'avons plus de contact avec Benjamin. Donc, mais de toute façon, si Benjamin, vous vous entendez encore, je pense que nous avons très bien compris ce que vous souhaitez dire. Effectivement, des fois, il faut un petit peu changer de cap et ne pas considérer ou parler sur Internet comme une fin en soi, mais de prendre également en considération d'autres aspects qui s'inscrivent dans ce contexte. Et il faut également penser donc à la société civile et leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies pour s'approprier les ODD. Il y a encore une question qui a été posée par Philippe et je vais la lire. Selon l'alinéa 3 du rapport publié par le groupe de haut niveau concernant la protection des enfants, nous aimerions savoir ce qu'on fait afin d'augmenter la protection justement des enfants. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole et commenter là-dessus? Concernant la protection des enfants, Mélissa? À mon avis, en fait, moi, je parle sans cesse de l'habileté numérique et ce concept s'applique notamment aux jeunes. Et les jeunes, surtout, utilisent Internet et il est crucial que les enfants comprennent ce qui se peut passer s'ils utilisent Internet. Donc, je peux pas peut-être pas répondre en détail, mais en général, j'aimerais préciser qu'il faut enseigner à nos enfants que Internet présente effectivement énormément de bénéfices, mais qu'il faut adapter une approche précieuse. La chute du mur de Berlin, la création, l'invention d'Internet, l'adoption de la Convention de la protection des
enfants. Il y a toute une série de conventions qui ont été adoptées par les Nations Unies et au-delà également. Il y a énormément de chiffres, de données concernant l'exploitation sexuelle des enfants, sur le mobbing, sur Internet, etc. Il y a énormément de choses qui devraient nous préoccuper et l'UIT coopère avec d'autres associations pour définir des lignes directrices en faveur de la protection des enfants et vous êtes tous les bienvenus de vous associer à ces travaux. On va peut-être revenir à ce sujet un peu plus tard, mais maintenant, j'aimerais donc changer un petit peu de sujet pour nous consacrer sur le sujet de la planète. Donc, selon les ODD, nous devons protéger et conserver notre planète pour que les générations futures puissent en bénéficier à 100%. Et dans ce contexte, il faut toujours parler du changement climatique qui est décisif pour le futur de la planète. On peut citer toute une série d'exemples concernant le renversement des tendances actuelles. Et ici, nous allons donc nous concentrer sur les ODD qui concernent l'eau potable, la gestion responsable des ressources de la Terre et la protection du climat. Et j'aimerais commencer par vous, Luis. Comme je vous le disais déjà, Luis est président, le PDG de GSI. Et peut-être pourriez-vous nous afficher, nous montrer les slides que vous avez préparés et nous parler un petit peu de vos actions concernant la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup, Doreen. Je vais essayer d'être bref, de respecter le temps de parole qui m'est imparti, donc 5 minutes. Auparavant, je disais déjà que nous avons réalisé énormément de recherches en la matière et en guise de conclusion, nous avons rédigé un rapport et je vous invite de consacrer un mois pour la lecture de la totalité du rapport. Nous avons réalisé et examiné 50 cas d'études et toute une série de documents qui traite de 7 technologies différentes, le G5, la blockchain, l'informatique en nuage, etc. Donc l'intelligence artificielle, l'accès à Internet à large bande, etc. Donc nous avons essayé de créer un contexte entre les nouvelles technologies et les ODD. Et nous avons réuni à cette fin un groupe d'experts éminents. Il y avait des directeurs des Nations Unies ainsi que d'autres experts en la matière. Et en fin de compte, bon, apparemment, c'est un peu illisible pour vous, je m'excuse. Mais en fait, nous avons donc essayé d'examiner un petit peu le contexte et nous avons constaté que 103 objectifs ont pu être atteints. Nous avons réalisé une évaluation quantitative et qualitative et nous avons essayé d'identifier quels sont les facteurs essentiels. Et en bref, on peut dire les technologies vont générer de la croissance, ils vont avoir un effet positif sur le marché de l'emploi, mais bien évidemment, il y aura également des effets néfastes tels que les émissions de gaz à effet de serre, l'accumulation de déchets et une consommation non durable. J'ai déjà mentionné le fait que les ODD doivent être atteints d'ici 2030 et dans un grand nombre de cas, on va y réussir grâce aux nouvelles technologies, mais on constate quand même que la courbe varie un petit peu et il y a quand même un grand nombre d'objectifs qui ne seront pas atteints. Pour 20%, le résultat est assez positif. Et les nouvelles technologies peuvent quand même garantir un taux de réussite de 25%. Quand on pense maintenant
au sujet du changement climatique qui s'inscrit dans l'agenda de ce panel. On peut dire le suivant. En 2008 déjà, nous avons analysé les contextes entre les nouvelles technologies et le changement climatique. Et à l'époque, nous avons posé trois questions principales. Premièrement, l'empreinte digitale ou l'empreinte du carbone, puis le rôle des entreprises. Nous avons également rédigé un rapport à l'époque qui, selon lequel les technologies ou l'influence des nouvelles technologies était cinq fois plus élevée que notre empreinte carbone. Et la ratio était 1 à 7. On a répété cette étude en 2015 et donc la situation a beaucoup amélioré. Donc en fin de compte, on pouvait dire que les technologies nous permettent de réduire considérablement les émissions à effet de serre. Le dernier rapport, par contre, nous montre un résultat semblable grâce aux technologies que je viens de mentionner. En fait, le rapport montre que d'ici 2030, notre empreinte carbone s'élèvera à 1,4 gigatonnes. Cela signifie donc qu'il y aura effectivement une baisse. Voilà pour les messages positifs, mais cela ne signifie pas qu'on peut se reposer, hein. Et il faut, par contre, augmenter les investissements dans les énergies vertes. Et quand on regarde ce qui se passe dans les centres de stockage de données, là, surtout, il faut se bouger. Et un aspect particulièrement intéressant, c'est le suivant. Plus qu'on utilise les nouvelles technologies, plus on a les possibilités de lutter contre le changement climatique. Et cela est vrai pour tous les secteurs, l'agriculture, les industries, etc. Donc, juste un petit commentaire et une petite piste de réflexion pour vous. J'espère que plus tard, on aura encore l'occasion d'approfondir ce sujet un petit peu. Merci beaucoup. C'était très clair. Et il est toujours très positif de pouvoir avoir concrètement mesuré quelque chose parce que cela permet de changer la donne très concrètement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé votre approche. Giza, j'aimerais connaître votre perspective concernant les pays du Commonwealth et l'utilisation des nouvelles technologies pour arriver à une production propre, à une production verte, tout en protégeant l'environnement. Quand on discute de la planète de notre Terre, on parle des surfaces terrestres, des océans, de l'espace et surtout de la population. Quand on regarde par le passé, on constate qu'il y avait la révolution industrielle et depuis, on a effectivement réalisé énormément de progrès. Dans l'espace de 150 années, toutes les régions du monde ont été connectées au réseau téléphonique. Pour l'Internet, par contre, 5 années suffisaient pour arriver à un taux de pénétration semblable. Il incombe aux politiciens de concevoir des législations qui garantissent l'accès aux technologies de communication et de l'information et également à l'économie numérique. Et la technologie a un effet énorme. Dans les pays du Commonwealth, il y a 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale. Les technologies sont bénéfiques dans l'agriculture. Et en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de denrées alimentaires. Alors nous avons besoin de l'agriculture et effectivement, les nouvelles technologies peuvent nous aider à réfléchir sur de nouvelles productions, méthodes de production de denrées alimentaires. La nourriture, les êtres humains dépendent de la nourriture.
Et selon des études réalisées de l'Association mondiale, nous constatons qu'environ 800 000 enfants n'ont pas accès à des soins médicaux et à suffisamment de nourriture. Et c'est dans ces domaines-là que les nouvelles technologies peuvent nous aider à améliorer la donne. Pour comprendre ce qui se passe dans les petits villages ruraux, nous avons besoin des nouvelles technologies, des technologies qui fonctionnent via satellite, mais également des technologies terrestres. Les satellites nous permettent de couvrir, d'arriver à un taux de pénétration, de couvrir, de diffusion très très vaste, très large. Et dans ce contexte, nous avons besoin d'une bonne éducation pour renforcer l'habileté numérique. Et dans ce contexte, il faut notamment parler de la du capacity building. Et mon pays natal, le Samoa, vient de libéraliser son marché. Et j'étais vraiment très, très fière d'avoir apporté le premier téléphone portable dans mon village. J'ai donné ce téléphone portable à ma sœur. Nous avons appelé une autre sœur qui vit en Australie. Et on a dit, ici, écoute, regarde ce qui se passe. Et ma sœur avait vraiment peur. Aujourd'hui, tout cela va de soi. C'est devenu tout à fait naturel. Mais à l'époque, ça lui inspirait vraiment de la peur. Et ma génération est particulièrement intéressée par les États en île dans les Caraïbes. Et encore à l'heure actuelle, ces pays sont vraiment isolés, mais nous pouvons atteindre beaucoup de choses. Nous avons lancé un projet qui s'appelle les centres de télé, les télécentres. Et je sais qu'un grand nombre de projets ont échoué par le passé, mais dès qu'on s'installe des télécentres dans des petits villages en expliquant aux villageois comment s'en servir, les femmes vont certainement très rapidement revenir pour consulter les emails que son petit fils lui a envoyé. Et donc, cela prouve qu'il ne faut pas avoir une connaissance extrêmement approfondie pour se servir de ces nouvelles technologies. Voilà, ce sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés, mais il s'agit surtout de regarder comment on peut mettre en œuvre sur place et très concrètement ces projets. Donc voilà, c'est ce que nous prévoyons pour les pays du Commonwealth. On souhaite les faire participer et bénéficier des acquis positifs de cette révolution technologique. Nous avons à disposition des fonds pour garantir l'accès universel. Je pense par exemple à un projet qui est réalisé au Malawi, mais je vais m'en arrêter ici et on peut en discuter un peu plus tard encore. Les défis et les solutions concernant le futur du monde. Vous avez mentionné les différentes possibilités de coopération entre les gouvernements et dans le contexte d'initiatives politiques. L'année passée, j'ai coopéré avec Mike et Lydia qui sont en prison ici dans la salle et on a travaillé sur un projet chez Microsoft et nous avons analysé 82 différentes mesures politiques internationales sur la large bande et nous avons essayé d'identifier les points communs et je mentionne ce projet parce qu'on parle très très souvent des objectifs mais il faut toujours se poser la question de savoir comment réaliser ces objectifs, comment les atteindre et comment instaurer un accès à Internet basé sur des données. Et effectivement, nous avons analysé les données, nous avons regroupé ces données dans un outil de visualisation qui est accessible pour tout le monde. Et
Il y a encore d'autres principes, d'autres lignes directrices qu'il faut prendre en considération, mais on peut d'ores et déjà consulter ces rapports pour avoir une idée comment normaliser, standardiser les normes nationales. Merci. Maintenant, à propos de résoudre les problèmes des pays du Commonwealth, le Nigeria a des problèmes avec l'agriculture, avec la nourriture. Nous surveillons cette situation. Dans plusieurs semaines, nous n'allons plus avoir assez de poulets, par exemple. Il faut dire que tout le monde des affaires se base sur les poulets. Et si tous les commerces qui se basent sur les poulets n'ont pas de poulets, ils ne peuvent pas faire du commerce. Il y a des opportunités pour les entreprises, pour les technologies, d'améliorer l'agriculture dans de tels pays. Je sais que dans certains pays européens, certains pays développés, vous avez des éléments qui sont produits directement chez vous. Des aliments génétiquement modifiés, par exemple, qui pourraient être mis en place en Afrique, où il y a d'énormes problèmes ici. Merci. Maintenant, nous allons retourner à Giza et à la salle déjà, et voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Tout d'abord, j'ai un message à ma famille du Commonwealth, c'est la mise en œuvre. Je leur dis toujours, c'est bien, nous avons des politiques, nous développons ceci et cela, mais la clé, c'est la mise en œuvre. Et si vous ne le faites pas, alors notre politique va prendre la poussière. Et voilà mon message fort. Maintenant, à propos du Nigeria, à propos de mon ami venant du Nigeria, monsieur le professeur Kambata, qui était avant le président du comité exécutif. Des télécités. Et lorsqu'on a parlé de l'agriculture et d'éthique, il a dit qu'il était un peu surpris, et il a été un peu surpris lorsque j'ai dit que c'était une équation, que cela fonctionnait ensemble. L'agriculture pérenne pour des vies prospères et pérennes. Merci, Gisa. Voilà, je vois une question ici au fond, puis une question ici à la table. Je vous prie de vous introduire et ensuite nous allons passer à la prochaine question et à vos commentaires. Merci. Merci, shérif des Maldives. Secrétaire au ministère des Sciences et des Technologies. Pour moi, cela a été très intéressant d'entendre cette discussion. J'ai pris quelques notes et il y a deux choses. La connectivité est fondamentale et la clé pour atteindre les ODD. 30% des réussites des ODD est plutôt sur le déclin, si j'ai bien compris. Il faut donc parler des deux éléments. Il ne faut pas parler des éléments négatifs seulement de la technologie. Pour les Maldives, les technologies sont très importantes parce que nous sommes un petit endroit de cette planète. Nous sommes en crise, mais nous sommes tout d'abord dans une crise de connectivité. Nous avons une... Avant, nous avions une très bonne connectivité avec le monde, mais près de 80%. Nous avons un taux de près de 80% de pénétration mobile à haut débit. Mais sur du côté positif, notre développement a vu les impacts positifs. Mais pour la population, ce que nous voyons sur notre île, une nation de près de 187 très petites micro-communautés, ces communautés ont tendance à être très homogènes. Issues du passé, nous voyons que nous n'avons pas forcément la diversité que nous aimerions avoir. Nous voulons être connectés avec le monde, nous voulons avoir cette diversité, la force de la diversité qui puisse accélérer notre développement. Mais nous voyons dans la réalité que si nous sommes connectés avec le monde, nous vivons dans des toutes petites bulles, de plus en plus petites bulles, et qu'il y a maintenant des énormes océans autour de nos îles. Nous créons des bulles avec d'autres personnes venant de l'Europe.
et cette faible diversité que nous avions déjà sur nos petites îles disparaît. Et nous créons de toutes petites îles issues et qui sont encore plus homogènes. C'est un facteur. Je vais donner un exemple. L'exemple de Antivaxas. Nous avons déjà beaucoup avancé pour atteindre les objectifs en matière de santé. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à se connecter, à connecter leur petite île avec Internet, mais qui ne croient pas en l'importance de la vaccination. Ce n'est pas juste chez nous. C'est un fait dans beaucoup de personnes. En effet, beaucoup de personnes sont contre les vaccins dans le monde. Nous voyons donc que nous faisons marche arrière en matière de certaines ODD. C'est un élément. Lorsque nous regardons les technologies dans les plus grands pays, nous pensons que l'électronique va pouvoir nous aider. Mais dans un pays où nous devons importer, par exemple, du diesel, pour faire en sorte que ces technologies marchent, nous devons faire avancer ces technologies. Et nous pouvons voir de nouveaux défis à cause de l'introduction des technologies. Cela ne permet pas d'augmenter, par exemple, le nombre de l'énergie renouvelable. Nous importons de plus en plus, par exemple, de diesel, ainsi, avec cette introduction de la technologie. Voilà, merci. Merci, shérif. Nous avons ici un commentaire aussi à la table, ici. Et nous aurons un dernier commentaire, puis après, je pense qu'on continuera. Ah. Je m'appelle Andrew Schaberg. Je suis député du Parlement allemand spécialisé sur la politique de Internet. Et je voudrais revenir à un point dont on a déjà parlé, de ce que Giz a évoqué, la structure, l'accès technique. Pour moi, souvent, il manque un autre composant ici, c'est-à-dire un contenu pertinent à côté de l'éducation aussi. Comment pouvons-nous fournir le bon contenu pour aider les citoyens, par exemple avec des documents que l'on peut télécharger et imprimer rapidement, par exemple, si nous n'avons pas des câbles qui peuvent être connectés, nous pourrions ainsi acheter le bon très rapidement s'il n'y en a pas sur le marché. Acheter aussi les outils de remplacement. Il y a des petites apps où on peut calculer si le toit de notre bâtiment est assez fort face à la pluie. Ce sont des éléments très simples, mais il faut les développer, développer les bonnes choses, les rendre accessibles, que tout un chacun apprenne de l'existence de cette technologie. Il y a une application qui s'appelle Plantex qui a été développée en Allemagne par des étudiants. Nous avons besoin d'un smartphone, mais si vous en avez un, vous pouvez montrer une plante, par exemple, à une caméra ou à une maladie, et toute cette caméra liée à l'intelligence artificielle va tout de suite l'analyser et nous dire ce que c'est. Donc, vous serez sûr que certaines plantes, par exemple, ne sont pas du poison. Ce contenu, ces outils de production, il faut démocratiser les outils de production comme les imprimantes 3D. Il faut faire en sorte que tout un chacun puisse résoudre soi-même les problèmes, surtout dans les zones rurales. Et voilà une des clés du développement. J'aimerais savoir ce que vous savez de ces exemples, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut continuer à avancer. Très bonne question, très pertinente, un contenu donc plus pertinent. Et je vais parler aussi du langage, car c'est souvent un sujet très important, mais je vois qu'il y a encore une autre question. Oui, vous avez la parole. Puis je vais revenir à mes orateurs pour des réflexions. Vous avez la parole, monsieur. Merci. Je m'appelle Saïd Maloufachi. Je suis un journaliste. Et j'ai fait partie d'un programme de bourse pour les reporters sans frontières à Berlin. J'ai une question pour la mise en œuvre des ODD
et la nécessité de plus d'actions politiques. Je viens du Nigeria et l'accès aux technologies, par exemple, avec Google, pour les agriculteurs ruraux, pour la sécurité alimentaire, pour les récoltes, tout cela n'est pas forcément facile, car il n'y a pas assez d'accès à... Il y a le manque du gouvernement. Nous avons besoin donc de plus d'actions collaboratives dans la discussion de l'ODD. Google offre un accès aux tablettes à Internet pour les élèves, pour les filles à l'école. Mais nous voyons que les étudiants à l'école ont des gadgets, mais n'ont pas un toit, par exemple. Comment pouvoir s'assurer de développer cela, que les pays en développement puissent avoir un gouvernement qui trouve une solution à tous ces problèmes et à un environnement sûr pour avoir un bon accès au numérique. Merci beaucoup. Vous êtes donc journaliste. Ah, vous venez de Nigeria. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, Mélissa? Vous avez la parole. Bien sûr, j'aimerais commenter sur votre question. La question de notre ami venant d'Allemagne. Je ne suis pas seulement membre d'IBM, mais j'ai ma propre entreprise et je travaille notamment en Tunisie. Et ce que je fais en Tunisie, c'est que j'étudie les communautés qui sont moins développées. Je leur apprends à coder, par exemple, à utiliser les outils numériques, à trouver leurs propres solutions. Je ne crée pas des solutions pour eux, mais je leur trouve des moyens qu'eux-mêmes créent leurs solutions. Je vois des dizaines de milliers d'enfants et je leur apprends à coder. Il y a beaucoup de pays aussi, 12 pays différents qui travaillent dans ce programme. En Tunisie, cela est soutenu par le ministère américain. Nous avons un camp pendant 30 jours. Les jeunes viennent sans connaître le code et ils apprennent à développer des solutions avec l'Internet des objets ou des solutions robotiques. Je travaille notamment avec 30 jeunes personnes de tout le pays. Ils passent un mois ici. Ils dorment là-bas. Ils voient un défi. Et cela est dans le cadre de l'ODD. Il s'agit de pouvoir se servir aussi de données pour leur communauté, d'apprendre à utiliser l'outil numérique, de découvrir les données pertinentes. Ils découvrent des modèles audio, des modèles commerciaux. Et à la fin, ils ont un prix. Nous soutenons cette idée, nous la développons avec le temps. Comment est-ce qu'une personne d'un autre pays peut vous apporter une solution? Chaque personne doit créer sa solution avec la technologie, devenir des créateurs, des personnes qui créent quelque chose grâce à la technologie. Ce n'est pas seulement la technologie, c'est avoir des capacités commerciales, des capacités douces. Merci beaucoup. Je vais parler et répondre à mon frère venant du Nigeria. Pendant trop longtemps, Google peut-être offre des tablettes, des outils, des appareils, mais on espère qu'ils vont résoudre nos problèmes. Est-ce que ce n'est pas trop? Nous demandons l'impossible. Maintenant, parfois, il y a des étudiants qui étudient avec des tablettes, des téléphones et d'autres qui n'ont à peine une classe. Il y a certains qui ont des outils, des appareils qui leur permettent d'avoir accès à Internet, aux réseaux sociaux. Et nous voyons ici le problème de la responsabilité partagée. Il faut poster l'état de leur classe, poster. Il faut être responsable, accomplir leurs devoirs, prendre leurs responsabilités. Un seul parti ne peut pas tout trouver la solution. Nous devons tous avoir une responsabilité partagée. Merci. Pour compléter ce que vous dites et parler du fait de l'action des gouvernements dans le cadre de l'ODD, je voudrais parler de l'importance de la volonté politique. Cela est clé.
Les gouvernements doivent s'engager pour les ODD. Nous devons accomplir un meilleur travail dans le cadre de la communauté de l'IGF et ailleurs pour s'assurer que le gouvernement comprenne l'importance de la connectivité et du monde numérique et des ODD, et dans le cadre des ODD. Et je pense que nous ne sommes pas encore tout à fait là. Pour moi, j'ai vu les forums de haut niveau de l'ONU et de la révision des pays. Ils ont parlé de la mise en œuvre et de l'implémentation des ODD. Je pense que 30% des pays qui ont tenu un report aujourd'hui ont parlé des ODD. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous devons continuer à avancer. Nous devons promouvoir cela. Je voudrais aussi revenir à Chérif des Maldives. Vous avez soulevé plusieurs points et lors de la première journée, la journée zéro et hier, vous avez présenté des points très intéressants, par exemple, pour s'assurer que nous maintenons la diversité. Nous rappelons des cultures locales, du contexte local. Nous devons nous en souvenir. Nous devons nous souvenir qu'il faut aussi les protéger. Donc, merci beaucoup d'avoir parlé de ces éléments. Maintenant, un petit commentaire de Giza. Oui, j'aimerais parler de la question faite par l'Allemagne. J'ai travaillé avec l'UIT sur un des projets que nous avons eus. Comme j'en ai parlé, ce sont les télécentres. Pour faire fonctionner cela, il fallait développer une solution. Comment agir sur le plan local? Comment les jeunes filles qui n'avaient pas la possibilité jusqu'ici d'apprendre sur ce sujet se sont réunies, les femmes aussi, qui pourtant n'étaient pas allées à l'école ou au lycée. Et cela a fonctionné. Mais maintenant, je pense à 2005. À l'époque, l'Internet, nous avons eu l'Internet, c'est encore le tout début. Pouvez-vous vous imaginer, nous étions assis ici, nous attendions une formation. Et le projet pour l'UIT, c'était de faire face au changement qui allait arriver. Nous voulions un système, par exemple, de prévention face aux inondations en Ouganda et dans certaines régions. Avec ce projet, par exemple, et avec mon expérience venant des télécentres, j'ai rencontré l'UCC et développé une formation dans la langue locale. Nous l'avons fait. Et lorsque nous avons développé le système, je leur ai demandé de me donner des instructions dans la langue locale. C'est-à-dire que s'il y a des sirènes qui sonnent pour la première fois, vous leur disiez, d'accord, il risque d'y avoir des inondations. La deuxième fois, cela va dire, dans la langue locale, bien sûr, partez. Prenez vos affaires et partez. Et la troisième annonce, ça dira, restez si vous voulez mourir. Lorsque nous avons lancé ce projet, cela a été fantastique parce que les inondations avaient eu lieu juste avant le lancement. Et lorsque nous avons lancé cette application, lorsque les inondations ont eu lieu de nouveau, ça a été la première fois qu'aucune personne n'est morte. Maintenant, je pense à mon collègue des Maldives. Je pense fortement que face à tous les défis auxquels nous faisons face, il y a beaucoup de nouvelles capacités que nous devons donner aux citoyens pour créer un monde durable dans tous les domaines, dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Nous allons continuer au prochain point, au dernier point, c'est-à-dire, et pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, nous reviendrons à notre sujet. Maintenant, nous allons parler de la prospérité. Les ODD ont pour objectif de s'assurer que chaque personne puisse avoir une vie prospère et accomplie. Et de s'assurer que le progrès économique, social et technique ait lieu dans tous les domaines. Les technologies ont un rôle critique à jouer ici pour faire en sorte d'avoir une société qui grandit et qui est pérenne. Mélissa, je vais vous parler. Nous parlons des ODD, donc de l'avenir d'un agenda de travail décent. Et dans le cadre des ODD, nous voyons aussi les inégalités.
Pouvez-vous partager avec nous quelques réflexions ici, à quel point les technologies peuvent soutenir un monde plus égal, plus pérenne? Tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais vous dire une histoire. Une histoire de Zahran, Sirwan et Zumna. Elles avaient 3, 5 et 7 ans. Et voilà, cela fait 10 ans. Ils ont quitté leur école et ont déménagé dans un autre pays où ils sont emménagés jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Melissa Sassi. Je suis la mère de Zahra, Zahran et Yomna. Nous continuons à vivre dans ce pays. Pour moi, l'inclusion sur Internet, l'inclusion ici, être sur Internet pour moi, c'est être une mère. J'ai besoin d'une connectivité pertinente. Pour moi, cela m'a poussé à la question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Pour moi, cela veut dire d'être une mère. Je peux vous dire que mes enfants sont en sécurité, sont en bonne santé, je sais où ils sont. Mais cela m'a permis de me donner des outils pour ma vie, pour mon travail. Voilà l'inclusion numérique. Je suis présidente du groupe sur l'intelligence numérique de l'IEEE. Et je travaille dans la coalition pour l'intelligence numérique. Vous pouvez trouver cette coalition d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je mentionne mon histoire privée? Pour avoir plus de prospérité. Cela est quelque chose de personnel. On ne parle pas seulement de ce que l'UIT, ce que Google, ce que Facebook, que toutes les organisations pensent. Il s'agit de savoir ce qu'une mère aux Maldives pense. J'adore les Maldives, il faut le dire, et j'aimerais bien y retourner. Mais qu'est-ce que pense, par exemple, Zahra Onyom? Lorsque j'ai créé un programme pour 400 ordinateurs sur place. Et j'ai réalisé qu'il y a des milliers de cadres, de tutoriels pour mieux apprendre. Mais généralement, il n'y a pas de contenu en langue locale. C'est pour cela que j'ai réfléchi à la façon dont je peux agir pour améliorer le monde. J'ai créé une équipe dans le sein de l'organisation IEEEE. Et j'ai passé 2 ans à revoir tous les cadres, les définitions que nous avons sur l'intelligence artificielle. Et dans notre organisation IEEE, nous avons 400 000 ingénieurs dans le monde entier. Si vous allez à l'école, si vous allez dans différentes organisations, nous découvrons ce que veut dire d'avoir des compétences numériques. Tout le monde le sait. Mais ce sont des capacités de base, mais aussi des capacités intermédiaires et avancées. Cela évolue. Il faut réfléchir à la façon dont cela peut bénéficier dans le domaine de la santé et de l'éducation, ou en tant que mère, voilà toutes les compétences auxquelles nous devons faire face. Il ne s'agit pas seulement de savoir coder, tout le monde ne va pas devenir un ingénieur. Mais comment est-ce que toutes les personnes peuvent rester en ligne, collaborer en ligne? Qu'est-ce que c'est que cette intelligence émotionnelle qui nous mène à collaborer en ligne? Il y a plusieurs groupes de personnes qui ont une passion ici pour ces compétences. Et pendant 41 heures dans une classe, par exemple, je parle de ce qui est possible, non seulement en théorie, mais aussi comment nous pouvons le faire en réalité. Je pense aussi à un autre élément. 258 millions de personnes, d'enfants ne vont pas à l'école. Comment pouvons-nous continuer à utiliser les technologies pour leur apprendre à lire d'une façon informelle, donc à écrire? Comment pouvons-nous utiliser ces technologies pour un travail tout à fait concret? Je le fais au Pakistan, où il y a un grand nombre de personnes qui habitent là-bas. Et je suis très intéressée de savoir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble pour faire évoluer le monde, pour que le monde soit plus prospère. Si nous n'avons pas un cadre commun sur l'intelligence artificielle, nous ne pourrons pas continuer à faire des progrès. Merci.
Merci Mélissa et merci de nous avoir fait part de votre histoire. C'est très émouvant et nous sentons véritablement votre passion et vous avez déjà fait beaucoup. Et j'aimerais passer à présent à votre expérience au Nigeria. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce qui s'est passé dans votre pays en donnant accès notamment à une éducation juste et à un travail décent. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité et de pouvoir représenter mon pays dans cette partie du monde. Si j'avais beaucoup de temps à disposition, j'aurais demandé à chaque personne ici présente en leur demandant qu'est-ce qu'on entend par une éducation juste. Je suis sûre, je suis convaincue que la façon dont un Nigérien va la définir ne sera pas la même définition de la Grande-Bretagne. Et si je demanderais à Mélissa ce qu'elle entend par une éducation juste, elle serait certainement différente. Et même si j'ai eu une éducation de 12 ans, je pense que j'ai eu, en fait, une éducation juste et certainement différente de ce que vous ne attendrez pas. Donc, pour parler de la situation de mon pays, lorsque l'on parle de la façon dont cette éducation égale ou juste pourrait être fournie et que l'on parle de technologie, il s'agit de respecter ici, en fait, la partie la moins éduquée de la population. Car il y a de très nombreux pays qui n'ont jamais été scolarisés, ils ne savaient même pas ce que c'est qu'une école. Au cours de ces 10 dernières années, au Nigeria, nous avons eu l'état d'urgence dans notre pays et de nombreux pays ont été déplacés. Et il y a encore beaucoup de familles déplacées. Il y avait donc ces personnes déplacées à l'intérieur du pays qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et récemment, nous avons eu de l'aide qui nous est parvenue, une aide intérieure et extérieure. Et j'ai plusieurs exemples. En 2006, par exemple, le ministère fédéral de l'éducation a lancé un projet de TIC. Vous avez en fait les programmes de base pour les élèves, pour les jeunes enfants, les étudiants, pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, pour qu'ils puissent apprendre. Et également à Yola, c'est une ville dans un état du sud du Nigeria. Une autre organisation étrangère a donné aux élèves, aux jeunes enfants, aux étudiants des ordinateurs portables avec des contenus éducatifs. Donc au Nigeria, lorsqu'on en parle de l'éducation des jeunes, la première chose dont on parle, eh bien, il s'agit d'apprendre l'alphabet anglais avec des applications, avec des contenus téléchargés, avec les mathématiques de base et également des cours d'anglais, éventuellement des cours de sciences sociales également, sans véritablement aller en classe ou dans les classes classiques. Et donc la technologie nous permet en fait de voir l'éducation différemment. L'éducation n'est plus ce qu'elle était, à savoir que les personnes n'ont plus besoin d'être 4 heures dans une salle de classe, donc avec des ordinateurs portables. Ces enfants peuvent apprendre. Et ça, c'est l'expérience que nous avons fait au Nigeria. Lorsque l'on parle de travail décent également, tout est relatif, bien entendu. Qu'est-ce qu'on entend par un travail décent? Ce qui est décent dans certaines parties du monde n'est pas décent au Nigeria. Et ce qui est décent dans notre pays n'est pas forcément décent dans d'autres situations. J'étais à Amsterdam il y a quelques années et j'avais parlé avec une start-up légale. Et pour eux, pour employer, pour pouvoir recruter à Amsterdam, ça leur coûterait des personnes locales plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, alors que, et c'est la réalité, recruter en fait des juristes au Nigeria, eh bien, ils pouvaient les recruter déjà pour 300 ou 500 euros. Et croyez-moi, la qualité des juristes engagés ou recrutés au Nigeria est bonne, car les juristes, souvent, finissent assez mal au Nigeria également. Donc, généralement, lorsque les personnes vous engagent, eh bien, tout ce que vous avez fait, en fait, c'est d'être dans un système.
parce que la technologie, en fait, a aidé à créer un travail décent pour ces personnes-là. Merci, merci beaucoup. Et on va revenir au panel pour des réflexions relativement brèches, et après nous allons revenir au public. Je vous en prie. Le panel parle, bien entendu, de la croissance. Et j'ai déjà montré au préalable, les technologies numériques auront un impact positif sur l'ensemble de l'économie mondiale. Les nombres et les chiffres, en fait, sont considérables. On parle en milliards de milliards de dollars américains de bénéfices d'ici 2030. Et dans les recherches que nous avons effectuées, nous avons montré que la technologie a un impact positif dans le monde entier. Venant d'une initiative entrepreneuriale, ma préoccupation principale est de savoir comment traiter les aspects négatifs. Comment faire en sorte de faire du négatif quelque chose de positif. C'est là vraiment où il faut que nous fassions des efforts. Donc, si vous déployez une technologie dans un pays donné ou dans un environnement donné, eh bien, vous voyez automatiquement que les choses évoluent en donnant la connectivité, vous donnez l'accès à l'éducation, à différents outils, à la santé, à la mobilité, à la technologie, pour l'environnement des entreprises, pour l'agriculture également, etc. Donc, vous voyez immédiatement que les choses évoluent dans la bonne direction. Mais il faut également prendre en compte le fait qu'il faut que nous nous adressions également aux autres aspects extérieurs, à savoir les zones critiques, qui sont certainement les zones les plus importantes d'aujourd'hui à 2030. Si vous voyez la façon dont le monde évolue sous l'impact des technologies dans un environnement mondial, vous constatez trois choses. Et donc, il y a ces trois aspects sur lesquels il faut que nous concernions. D'une part, le fossé numérique. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes qui y ont accès, mais également un nombre très important de personnes sans accès. Les personnes qui ont accès vivent nettement mieux que les personnes qui n'ont pas accès. Il y a donc un rôle à jouer par les responsables politiques pour garantir que l'on crée un équilibre dans le monde par l'intermédiaire de l'usage des technologies. L'autre aspect qu'il faut que nous abordions également, c'est tout le thème des droits de l'homme, de la sécurité et de la protection des données. C'est un domaine essentiel qu'il faut que nous comprenions bien, car cela aura certainement des répercussions sur la stabilité du monde et de la planète. Et je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais si vous suivez les discussions qui ont lieu actuellement aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec le Brexit, eh bien vous voyez également qu'on abuse des technologies pour déstabiliser l'environnement et les institutions démocratiques. Il faut donc que nous nous penchions dans ces différents domaines car elles ont un véritable impact sur la situation du monde. Et j'aimerais en parler dans notre conversation pour souligner que, alors que je suis vraiment foncièrement convaincue que les technologies peuvent améliorer le monde, eh bien, pour garantir que ce monde s'améliore, il va falloir que nous soyons particulièrement attentifs à certains domaines critiques sur lesquels les technologies peuvent avoir un effet négatif. Et j'ai écouté à la question du parlementaire allemand, et pour moi, la question principale qu'elle a posée, peut-être que je l'ai mal comprise, c'est vraiment en ce qui concerne ce fossé numérique. Comment garantir que nous fournissions des informations à tout le monde? Comment garantir que tout le monde ait accès à l'information? Comment apporter dans les écoles les outils pour les élèves, pour qu'ils puissent apprendre? Car nous vivons vraiment encore dans un système à deux vitesses, avec des privilégiés qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès. Et la question principale, et j'en reviens à mon commentaire précédent, c'est qu'il faut que nous fournissions un accès universel à la communication et qu'on ait une connectivité générale. Et pour ce faire, il faut investir et il faut prendre des mesures politiques. Et lorsque l'on parle des données privées, et il y a deux éléments qu'il faut garantir lorsque l'on parle de technologie, c'est que d'une part, l'éthique. En fait, il faut vraiment revenir à la base, aux valeurs. Et si l'on souhaite appliquer les
valeur à ce moment-là, nous parviendrons à relever les défis qui sont posés par la technologie. Merci. Je vois que nous avons déjà une question, mais si vous souhaitez intervenir, une réflexion pour rebondir sur ce que le parlementaire allemand vient de dire. Il est très important de savoir qu'Internet fournit des informations et de nombreux changes pour développer un pays. Tout à fait, je suis bien d'accord. Mais au Paraguay, lorsqu'on avait laissé un ordinateur avec une connexion Internet dans une zone très rurale, et cet ordinateur est resté là pendant des mois, il l'utilisait uniquement lorsqu'on leur disait pour envoyer des mails, pour communiquer les uns avec les autres. C'est déjà une bonne chose. Mais il y avait également des volontaires américains, des bénévoles qui se sont rendus dans cette communauté. Il a constaté que les personnes avaient un problème de santé, car en fait, dans cette communauté qui faisait la cuisine, à l'intérieur des maisons, c'était des petites maisons. Et il a appelé le responsable et il lui a dit consultez les pages Internet, vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez faire mieux la cuisine et d'une autre façon ici au sein même de la communauté. Et donc, en fait, ils ont construit leur propre cheminée avec leurs propres instruments. Et ce qui s'est fait, ça a été une excellente chose parce que ça permet de résoudre le problème d'une communauté en utilisant la connexion Internet. Et c'était vraiment très impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les contenus? Les contenus, l'information, ce n'est pas la connaissance. Mais lorsque quelqu'un peut vous aider à utiliser cette information et en faire une connaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Et je souhaitais simplement vous raconter cette histoire. Il y a deux questions, je vous en prie, monsieur. Si vous pouviez vous présenter. Merci. Marcel Dosch, je suis chercheur auprès du Conseil consultatif allemand sur le changement climatique. Et nous venons de publier un rapport de 500 pages sur l'avenir numérique commun et sur le thème de la durabilité. J'aimerais poser une question au panel, à savoir que l'agenda 2030 parle de transformer notre monde dans son titre. Et le changement numérique représente une rupture considérable dans de très nombreux domaines, dans des domaines qui ne sont pas forcément durables à l'heure actuelle. Donc ces changements numériques et cette pouvoir de transformation n'a pas véritablement été anticipé dans l'agenda 2030 et c'est un véritable défi. Elle représente mais également une chance également pour réunir ces différentes communautés et de trouver des solutions communes. Toutefois, bien entendu, nous avons besoin de donner un objectif à ce changement numérique. Ce serait déjà une bonne chose. Il y a de très nombreux outils, mais les outils ne sont pas une fin en soi, ce sont des instruments. Et nous devons rendre les technologies numériques plus pérennes. Il s'agit également de questions de ressources, également, bien entendu, avec les métaux rares également. Et ce qui manque encore à l'heure actuelle dans le panel, c'est que lorsque l'on réfléchit aux leviers numériques, et lorsque l'on pense à l'agenda 2030, il faut également réfléchir peut-être de manière peut-être systémique, à savoir qu'il faut voir également la numérisation, mais également l'utilisation des énergies renouvelables avec les technologies numériques, décentraliser également et le développement des énergies ou des nouvelles technologies peuvent également être la source d'inclusion, mais peut également être la source d'injustice et d'exclusion. Et cela peut également promouvoir les pratiques démocratiques, mais peut également permettre l'émergence de règles dictatoriales également, notamment en Chine, où il y a ici de grands monopoles technologiques qui existent. Donc ma question que j'adresse au panel, c'est comment est-ce que l'on pourrait utiliser ce changement numérique comme un objectif ou comme un moyen de parvenir aux objectifs d'ODD? Par exemple, il y avait des mesures qui ont été prises par l'UIT également en ce qui concerne la gestion des données et bien entendu l'environnement politique également, les conditions cadres générales et non pas uniquement numériques jouent un rôle considérable. Très bien, merci de ce commentaire. Monsieur, au fond, souhaitait également intervenir, je vous en prie. Merci beaucoup. Je m'appelle Santiago et je viens de Colombie. Je suis le directeur d'un laboratoire d'innovation dans la ville de Bogota.
Je travaillais pour une agence qui déploie et qui donne des ordinateurs pour toutes les écoles en Colombie, même dans les zones rurales. Et à présent, 10 ans se sont écoulés et nous n'avons pas évolué d'un iota dans la mesure de la qualité de l'éducation. Et à l'époque, j'avais promis, lorsque je donnais un ordinateur à l'école, que tout allait changer. Mais à présent, je dois dire que ce n'était pas le cas. À partir de là, j'ai commencé à essayer de comprendre ce fossé numérique, à savoir que si j'ai Internet, mais où est-ce que si je sais l'utiliser? Mais bon, il y a différents fossés numériques. La vitesse, par exemple, il y a au moins 7 fossés numériques. La vitesse de la liaison également. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que, en fait, il y a en fait un véritable fossé entre l'intention, par exemple, l'intention d'utiliser Internet de cette personne ou son utilisation d'Internet et l'utilisation qu'en fait une personne dans une zone rurale. Les deux personnes peuvent utiliser Facebook, mais avec des intentions complètement différentes. Certaines personnes vendent leurs marchandises et d'autres, parfois, s'en servent uniquement pendant leurs loisirs pour voir vivre les autres et être frustrés. Et nous avons tenté de mesurer ces intentions et nous avons créé un petit génie pour mesurer, en fait, Internet. Et en fait, on a constaté que les écanités étaient encore beaucoup plus importantes. Et nous sommes vraiment très, très préoccupés de ces différences. Et le deuxième fossé, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui a été prouvé par un professeur qui disait que si vous savez comment lire, vous pouvez apprendre quelque chose d'autre à une vitesse beaucoup plus rapide. Si vous ne savez pas comment lire ou si vous lisez mal, vous allez améliorer vos connaissances, mais vous allez les améliorer en fait tout petit peu. Et c'est la même chose avec Internet. Si deux personnes différentes sont au même point de départ, mais avec des avantages compétitifs différents, Internet va leur fournir des choses différentes. Si vous connaissez une deuxième langue, par exemple en Colombie, si vous savez parler anglais, l'Internet est complètement différent pour vous comparé à l'Internet lorsque vous ne parlez pas anglais. Le bilinguisme est un facteur qui différencie la façon dont vous utilisez Internet. Si vous avez un compte bancaire et une carte de crédit, les choses sont complètement différentes. Si vous n'avez pas à ce moment-là Internet, c'est vraiment tout petit pour vous. Vous ne pouvez pas avoir accès à de nombreux contenus qui sont disponibles sur les pages universitaires, par exemple, ou si vous avez une éducation primaire de ne pas très banader, bien vous n'avez pas la capacité de formuler des questions intelligentes pour obtenir de meilleures informations. Donc, l'Internet est complètement différent pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Et ma question est la suivante. Comment résoudre ce fossé? Désolée de vous interrompre parce qu'il s'agissait de commentaires très importants et nous avons encore un commentaire d'une personne à distance. Oui, une question de la part de Benjamin de Nanibi. On va réessayer. Benjamin. Bien. Benjamin, de nouveau. Ma question est la suivante. Aux membres du panel, est-il possible d'avoir les grandes entreprises technologie de faire en sorte que Internet, que ces grands géants soient également autour de la table, à savoir que
À chaque fois que nous avons des conversations au sein d'IGF, il s'agit de pays en développement. Et l'on parle toujours de tenter d'atteindre les populations rurales, mais je pose la question, est-ce qu'il serait également possible d'avoir les grandes entreprises technologiques qui sont vraiment les moteurs de l'innovation dans le secteur privé, qui soient autour de la table également, pour qu'ils puissent inclure dans le modèle commercial également cet objectif d'atteindre les zones rurales et d'atteindre les personnes qui ont également besoin de cette technologie, de sorte à ce qu'ils puissent avoir également des bénéfices, bien entendu, en le faisant, et qu'ils aient conscience également qu'ils pourraient ainsi aider les personnes qui n'ont pas accès à l'avoir. Donc la question est de savoir, est-ce que l'on pourrait également avoir ce type de conversation, comme ça que les grandes entreprises technologiques puissent être également autour de la table en Nigeria. Il serait important que l'on puisse discuter avec eux également. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Excellente question. Et nous avons encore 5 minutes à disposition. Et ce que je vais vous prier de faire, c'est de répondre aux questions qui viennent d'être posées et s'il y a éventuellement un message que vous souhaiteriez ajouter. Alexandra, je vais commencer avec vous parce qu'il y avait une question qui s'adressait directement à vous. Donc, les grandes entreprises technologiques, je pense que Google en fait partie. Donc, peut-être que vous pourriez répondre à la question de Benjamin et si vous aviez éventuellement un message particulier. Donc, IBM est également parmi nous. Tout à fait, les grandes entreprises, les entreprises de toute taille souhaitent participer aux conversations de l'IGF et nous soutenons cette conversation, ce forum avec ce dialogue multipartite sur la façon dont Internet fonctionne et dont il se développe et de garantir également que nous ayons tous une voix dans la façon dont les choses fonctionnent. Donc, la réponse simple est oui. Concernant les messages à retenir, ce que l'on retient de ce qu'ont dit les membres du panel, mais également les personnes présentes et en ligne, eh bien, cela revient à nouveau à la collaboration. Il faut le faire à présent. Et il s'agit également de l'importance de garantir également que les entreprises technologiques agissent au niveau mondial et de garantir que lorsque l'on pense à la façon dont nos produits et nos technologies sont diffusés, eh bien, qu'il faut que nous ayons un engagement local pour faire en sorte que toutes les solutions produites, que ce soit une application ou autre chose, soient développées et soient également ancrées dans les communautés locales pour permettre de résoudre les problèmes. Merci. Oulomide, peut-être que nous avons des représentants des grandes entreprises technologiques parmi nous aujourd'hui, mais la seule chose que je souhaiterais redire, c'est que les problèmes que nous avons au Nigeria, dans ma région, c'est que les problèmes que nous avons, en fait, le problème principal, ce sont les délais dans le jugement. Et cela fait 30 ans, 40 ans que cela dure. Il y a des procès en cours depuis 30 à 40 ans parce que les juges ont un retard considérable et ils ont besoin d'énormément de temps pour rédiger leur jugement. Donc, il y a tellement de logiciels qui existent à l'heure actuelle. Est-ce que l'on pourrait avoir également des entreprises technologiques qui pourraient développer des logiciels qui pourraient aider les juges à rédiger leur jugement? Cela permettrait de résoudre des problèmes de justice considérables, d'ailleurs, tous les problèmes de justice dans notre pays. Merci. Et tout à coup, je suis désolée d'entendre dire que j'étais au lancement de ce programme il y a quelques années déjà, et si je me rappelle bien, le programme c'est Computers Test per Educar, et j'ai été invitée au lancement de ce produit et d'intervenir. Donc je suis vraiment désolée que ça ne fonctionne pas, et il me semblait que c'était un excellent programme. Bref, revenons au thème abordé lors de la première question. Les métaux rares, ce n'est pas un problème de l'IGF, ce n'est pas un problème de l'IGF, c'est un problème du monde entier, à savoir qu'il s'agit de ressources dans le monde. Et en ce qui concerne ce que l'on utilise, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé il y a une dizaine d'années. On avait créé une initiative qui s'appelait une alliance pour les minerais responsables et on a plus de 8000 entreprises qui ont participé. Mais ça reste un problème car les gouvernements contrôlent les choses et qu'ils se battent pour les métaux. Et j'ai participé à de très nombreuses de ces discussions d'ailleurs, mais vous avez abordé un ensemble de problèmes concernant les technologies et je suis d'accord avec vous.
Nous avons un problème que nous devons résoudre. Les technologies peuvent être force pour le bien, mais peuvent également avoir leur part d'ombre. Et lorsque nous avons rédigé ce rapport, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas penchés uniquement sur les aspects positifs, mais également négatifs, également les déchets et la consommation qui n'est pas pérenne? En tant qu'individu, nous nous comportons mal. Nous avons 2-3 téléphones mobiles. Nous consommons énormément. C'est absurde. Il faut également que nous assumions nos propres responsabilités personnelles. Et nous avons besoin d'un mouvement autour de ce numérique avec un objectif. Il faut que la société civile, les entreprises et les responsables comprennent qu'il faut qu'ils se réunissent pour trouver le moyen de changer ces aspects négatifs en des aspects positifs. Et nous pouvons le faire car nous avons le savoir-faire, nous avons les connaissances, nous avons la volonté de le faire. Donc ça, c'est également mon défi que je vous lance à vous tous. Car ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre seuls en tant qu'entreprise technologique, c'est quelque chose à laquelle nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup. Donc, le numérique avec un but, cela me plaît. J'aimerais clore en vous disant que les technologies numériques sont un outil qui nous permet, et permet à nos gouvernements et nos pays et à nos populations de réaliser les ODDT. La transformation numérique permet au gouvernement d'améliorer la fourniture de manière beaucoup plus rapide, efficace de services publics dont nos citoyens ont besoin. Il y a toujours un fossé numérique et nous devons tous travailler ensemble pour combler ce fossé. Et le développement des compétences reste l'élément clé. Comme je l'ai déjà dit, il y a des défis, mais je suis convaincue que si vous consultez ces défis en détail, vous constaterez qu'il y a de nouvelles compétences qu'il faut développer pour que, ensemble, nous puissions réaliser ces 17 objectifs de développement durable. Miguel, je vais finir en répondant au Colombien qui était intervenu concernant le projet. Je pense que vous ne le regardez pas de la bonne façon lorsque vous évaluez les différents acteurs. Peut-être que vous les évaluez. Je ne sais pas si c'était bien ou mauvais ce que vous avez fait, mais je pense que c'était une bonne chose au bout du compte ce que vous avez fait. Car si vous pensez au fossé numérique et voyez ce que vous leur avez fourni, il faut penser qu'à la fin de ce programme, vous n'aurez pas forcément des ingénieurs en logiciel. Lorsque vous apprenez les élèves à coder, c'est une excellente chose, mais ça peut peut-être les aider à être meilleurs en mathématiques ou en géographie. Vous ne savez pas ce qui va se produire. Mais il y a de très nombreuses autres choses qui se font et vous ne le savez pas forcément car vous n'évaluez pas forcément de la bonne chose. Ou en tout cas, vous évaluez en fait de la même façon que vous évaluez les programmes traditionnel, à ce moment-là, ce n'est pas la bonne évaluation. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais présenter le programme de manière plus positive. Et je pense qu'il faudrait espérer que le programme peut améliorer, bien entendu, mais que si vous donnez cette connectivité ou l'accès à Internet, d'autres choses positives peuvent se produire. Merci. Nous devons finir à l'heure, donc je vais être rapide. J'aimerais vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui et merci également pour m'avoir donné la parole, pour vous faire part de mes réflexions. Et j'ai vraiment retenu un certain nombre de mots clés aujourd'hui. Et je suis venue comme représentant du secteur privé, comme Benjamin l'a dit aujourd'hui, et nous avons 2 entreprises technologiques sur ce panel. Et je représente IBM et mon ami représente Google. Donc je pense que nous sommes toutes les deux entreprises passionné et il y a également un collègue de Microsoft. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a de très nombreuses grandes entreprises qui sont présentes ici parce que c'est important pour elles. Pas uniquement parce qu'elles ont un travail à faire, mais parce que c'est important pour elles. Donc, mes mots-clés que j'ai retenus aujourd'hui et j'en ai pris note aujourd'hui, la collaboration, les contenus en langage locaux, des outils pertinents à améliorer les résultats dans le domaine de la santé, des techniques, mais vraiment le thème de l'égalité des sexes, l'inclusion des femmes, de tous et acquérir de nouvelles compétences, des compétences qui soient pertinentes, la vitesse d'Internet et l'alignement des politiques et penser à la mise en œuvre. La protection,
Et enfin, je suis convaincue que la culture numérique est un droit humain. Merci, merci Mélissa. Et vous avez vraiment fait mon travail, vraiment, vous m'avez rendu mon travail très, très simple, car vous avez fait la synthèse pour moi en reprenant les mots-clés. C'était parfait. J'aimerais remercier les membres du panel qui ont eu une excellente discussion. Et nous avons passé 2 heures ensemble. En fait, ce n'est pas suffisamment de temps, car il y avait tellement de thèmes abordés, tellement de thèmes très importants qu'en fait, il faudrait vraiment que nous approfondissions les choses. Et mon message, ou la chose que je retiens, la leçon du jour, comme vous l'avez dit, Mélissa, c'est oui, effectivement, la collaboration. Et comme l'a dit Maëline, il faut que nous arrêtions de parler de collaboration et de collaboration et de le faire. Et il est temps de passer à l'action. Car il y a 3,6 millions de personnes qui nous attendent. Et comme on l'a entendu dire sur le panel et de journée zéro, nous n'aurons jamais suffisamment d'enseignants, suffisamment de médecins et d'infirmières. Et cette connectivité, c'est vraiment la chance pour le monde de relever les plus grands défis du développement auxquels nous sommes confrontés. Et oui, il y a des risques considérables. Nous avons entendu parler. Et il faut trouver un moyen pour que le bien l'emporte sur le mal. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Et ce n'est pas une fin en soi, bien entendu. C'est un outil, bien entendu, pour parvenir à ces 17 objectifs de développement durable. Et je pense que c'est un impératif moral. Et je pense que c'est la seule façon que nous aurons pour réaliser ces objectifs de développement durable. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais remercier le MAG de son invitation. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi. Merci Miguel. Et ce fut excellent. Merci également aux personnes qui ont fait la retranscription, qui ont fait un excellent travail. Et merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous à distance. C'était vraiment très agréable d'avoir cette participation à distance. Merci à vous tous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de votre engagement. Et bien entendu, merci également à mon panel exceptionnel. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi d'animer ces discussions cet après-midi. Et je me réjouis de retravailler avec vous, car nous avons beaucoup à faire et il est temps d'agir. Merci beaucoup. And thank you very much to you, Doreen. Merci beaucoup, Doreen.